Bonjour. En ces temps de confinement qui ne sont simples pour personne, j'avais envie de vous lire quelques extraits de ce livre de sagesse enfantine intitulé Je te souhaite du bonheur, illustré et commenté par des enfants. Je te souhaite du bonheur. Les gens heureux. Ceux qui sont heureux ne voient que des belles choses. Jérémie, 10 ans. Certaines personnes ont un beau sourire et quand on les voit, on se sent heureux. Cécile, 10 ans. Bon et chaud. Le bonheur, c'est quelque chose de chaud qu'on sent dans son ventre. Solène, 8 ans. Une douce paix. Le bonheur, c'est chercher et trouver la paix dans son cœur. Guilin, 11 ans. Le bonheur, c'est une forêt qui ne fait presque pas de bruit, et pourtant, des clochettes y poussent un peu partout. Romain, 10 ans. Le monde est vivant. Je suis heureuse parce que les oiseaux chantent pour moi. Joséphine, 6 ans. Le bonheur, c'est l'aube d'un matin d'été. Paul, 10 ans. On râle. Ce qui sape le moral, c'est de piquer un sprint pour attraper un bus et de s'apercevoir qu'on a oublié son ticket. David, 14 ans. Quand on est heureux, on se sent beau. Quand on est triste, on se sent moche. Lynn, 10 ans. Se sentir libre. Le bonheur, c'est le soleil dans le ciel, galoper sur la plage, s'éclabousser, se sentir libre. Magali, 11 ans. Sois heureux. Sois libre. Sébastien, 7 ans. Donner. Le bonheur n'existe que si on lui en donne l'occasion. Karen, 7 ans. Quand on fait un cadeau à quelqu'un, on est content. Enfin, je ne sais pas comment dire, mais on se sent très bien. Par exemple, cette année, j'ai acheté un parfum à maman, un Bermuda à papa et j'étais heureuse. Enfin, je ne sais pas comment le dire. Claire, 7 ans. Le bonheur, c'est donner à ta petite sœur le morceau de gâteau où tu as mis la fève. Jeanne, 14 ans. Quand quelqu'un est malheureux, c'est comme si une ombre recouvrait le monde. Sophie, 10 ans. Seul et triste. Être malheureux est si triste qu'on a l'impression d'être un chat perdu. Coralie, 10 ans. C'était l'heure de la récréation et il y avait deux personnes très malheureuses. Il y avait Jeannette et moi. Pendant un instant, j'ai réfléchi, puis je me suis dirigée vers Jeannette d'un air amical. Ce n'était pas dans mes habitudes de me faire une amie aussi vite. Mais je suppose que je voulais juste rendre quelqu'un heureux. Et du coup, je faisais deux heureuses au lieu d'une. Car rendre quelqu'un heureux me rend heureuse. Marie-Agnès, 10 ans. Si je pouvais avoir tout ce que je veux dans le monde, je choisirais des amis. Tout le monde du monde entier est heureux si on est tous amis. Ça éclaire la vie. David, 10 ans. Daniel, 8 ans. Ma famille. Je suis heureuse parce qu'on m'aime. Sheila. Le bonheur, c'est de rentrer à la maison et d'y retrouver une maman de bonne humeur. Pierre, 7 ans. Le bonheur, c'est donner un coup de fil à grand-mère. Clément, 9 ans. Ça alors. Le bonheur, c'est l'odeur de l'air frais et vif des matins d'été. Lionel, 8 ans. Quand les nuages flottent à la dérive et que la journée est pleine d'imprévus, on devrait tous avoir le sourire au lieu de rester vissés comme des robots devant des écrans d'ordinateur. Marc, 10 ans. Le bonheur est plus fort que le malheur. Le moment que je préfère, c'est quand il faut s'occuper des vieilles dames. Audrey, 12 ans. Ça ne coûte rien de sourire à un inconnu. Ça ne coûte rien d'être heureux. Alors donnons largement autour de nous. Géraldine, 15 ans. Être aimé et protégé, on ne peut pas acheter le bonheur. On ne peut pas rentrer dans une boutique et dire « S'il vous plaît, est-ce que vous pouvez me mettre une gentille maman ?»
Michel, 8 ans. Le bonheur est une sorte d'amour. On peut penser que le bonheur, c'est seulement avoir les choses, mais c'est pas vraiment ça. Aurélie, 11 ans. Le bonheur, c'est être chouchouté et gâté. Nicolas, 10 ans. Bonheur, bonheur, tu as touché ma petite tête. Marie-Claire, 10 ans. Essayez de faire plaisir, d'aimer, de protéger et de pardonner. Vous essaierez? Bon, que je n'ai pas à le redire, d'accord? Bien, je vous aime tous. Au revoir et prenez soin de vous.